Alors bon, c'est un peu dur de cadrer parce qu'on est tous dans l'eau. Mais comme vous le comprenez, cette vidéo sera sous le thème des incendies de forêt. T'as ri. Pourtant, cette blague était vraiment nulle. Nous sommes mardi. Et comme vous le savez, sur ma chaîne, depuis aujourd'hui, les mardis, c'est les défis. Les défis du mardi. Vous vous rappelez, la dernière fois, c'était pas un mardi, mais on avait fait du gainage. Avec Yo. Je me suis ridiculisé, mon Dieu. Ça. Et cette fois, c'est Ariel qui remplace Yo et on a toujours Thomas. Et je tombe. Et vous mourriez. Aujourd'hui, le défi sera un défi, mais vraiment attention les gars, on vous donne des idées pour les vacances. Hein. Un défi de sous l'eau. Donc, putain, mais j'ai le retour sur ma montre. Mais non, mais si. Mais putain, mais... C'est un futur Mac, mais putain. Apple. Ouais. Mac, c'est un modèle. C'est vrai. Donc, nous allons faire des sous-l'eau. Et le dernier qui sort a gagné. Et le compteur va se lancer. Donc on se met là. Okay. Direct, là, comme ça. Ah, c'est vrai. En plus, on vient de manger, on va clairement pas tenir longtemps. Hein. Ok. On y va. On y va. Attention. Je l'ai vraiment pas tenu longtemps. Fils de... Ils font exactement la même chose, ils font tous les deux. Ils ont la même idée alors qu'ils en ont pas parlé. Il recommence lui, putain. Ils ont eu la même idée, ils en ont parlé ou pas? Là, je rigole parce que on dirait vraiment des cadavres. Vous avez cliché, vous êtes remis dans l'eau? Non, j'ai pas entendu sortir. Avec le bruit qu'a fait Davy en même temps. J'ai l'impression qu'on a fait en même temps. C'est vrai? Bah ouais. Ah putain! Bon, c'est Thomas qui a perdu. Pour vrai, vous vous êtes remis sous l'eau? Non. Mais j'ai entendu bruh. 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 Et j'ai entendu. Et après ça, j'ai l'impression que... Ok, bon j'ai perdu. Quelle bande de traîtres. On vous rappelle... Attends. On vous rappelle que ces défis vous pouvez les faire chez vous. Dans une baignoire, dans des toilettes ou dans un verre d'eau. Une casserole. Une casserole. Surtout si vous êtes pas majeur et vous avez moins de 10 ans. Allez-y sans vos parents. Bien sûr. Donc, je pense qu'on dirait trois cadavres. Moi j'ai commencé ici, je me suis réveillé là-bas. C'est vrai que selon on se rend vraiment pas compte de comment perdu, se déplace. Il va devoir faire 5 allers-retours. Quel putain de balle. Il a pris le gage. Quel putain de traite. J'ai vraiment perdu, j'ai entendu sortir. Mais non. Je suis dégoûté, j'ai entendu des gens sortir du coup. Je suis pour sortir. Ben non, je me suis dit j'ai le temps. Ouais. Je me suis dit je vais essayer de tenir un peu plus, mais j'aurais pu tenir plus. Mais au bout d'un moment j'ai dit ah ça devient dur, du coup je suis sorti. Et je me suis dit de toute façon ils sont sortis il y a un petit moment. Putain, quelle glande. Alors tu cherches. Tu, en plus tu trouves des raisons à ta perte. Ouais. Il le sait que t'aurais pu tenir plus longtemps et que t'es sorti. Mais non, juste pour dire que t'es plus fort que nous alors que t'as perdu. Oui. Je suis plus fort que vous, putain. Bon, allez, vas-y. Il le tient jusqu'au bout, quoi. Putain, j'ai pas envie de les faire, ces allers-retours. Hein. D'ailleurs, il m'a dit de faire des allers-retours. Mais au final, il
bien compter que des allées, vous allez voir. Je vais peut-être les mettre en accéléré parce que ça va être un peu chiant, je pense. Regardez-moi ce dauphin. Aucune grâce. En plus, j'ai des marques de bronzage qui sont immondes. Que je dois sans doute encore avoir. Vous savez, il compte des allées, pas des allers-retours. Qu'est-ce qu'il fait ? 5, 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 5